Il n'y a pas tout le monde. Alors, dans le thème banque fintech, souvent je parle de l'ACPR et du dossier d'agrément, notamment d'établissement de paiement. On pourrait se poser la question de savoir, mais il y a quoi dans ce fameux dossier d'établissement de paiement? Qu'est-ce qu'ils vont demander? Alors, dans ce dossier d'agrément, en fait, il est précisé par l'ACPR que normalement les modalités et les délais d'obtention, c'est 3 à 6 mois. Alors, en réalité, ça va forcément dépendre de votre organisation interne déjà et si vous avez mis en place des procédures et des enregistrements au regard de votre contrôle interne. Est-ce que vous le managez? Est-ce qu'il y a en place une politique de sécurité des systèmes d'information? Est-ce que vous avez mis en place des indicateurs, des KPI, etc., etc. Donc, la demande d'acceptation du dossier, elle va être fonction de est-ce que votre dossier il est solide et est-ce que déjà vous avez quelque chose en place. Donc si vous avez déjà quelque chose en place, ça peut être rapide, il le précise 3 à 6 mois. Alors, le contenu du dossier d'agrément, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? Alors, il doit y avoir en A les programmes d'activité, en B également les fonds propres et la structure financière. Parce que pour être établissement de paiement, il faut des fonds propres. Voilà, dans un autre cast, je vous dirais le montant de ces fonds propres. Ils sont importants. Et encore plus, si vous êtes établissement de crédit, c'est encore plus difficile à obtenir comme agrément. Donc, l'agrément de paiement. Donc, il faut renseigner les fonds propres et la structure financière. Dans une partie C de ce dossier d'agrément, vous renseignerez la protection des fonds de la clientèle, comment vous faites, avec quelle banque vous travaillez pour mettre en place en fait des comptes de cantonnement, c'est-à-dire comment vous allez distinguer les comptes professionnels et les comptes utilisateurs, puisque si vous séquestrez l'argent de tiers, il faut que vous en assuriez la sécurité. Donc comment on protège les fonds de la clientèle, les assurances associées, etc. Donc ça, c'est entre guillemets. Après, en D, vous allez définir l'actionnariat également. En E, la gouvernance et le contrôle interne. Très important. Donc, dans la troisième partie de ce dossier d'agrément, en fait, la troisième partie, elle sera intitulée Attente en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, c'est-à-dire le LCBFT. Ça, c'est les attentes LCBFT, c'est une très grosse exigence du dossier. Dans la quatrième partie de ce dossier, vous aurez les attentes sur la sécurité des moyens de paiement. Voilà. Et notamment un avis de la Banque de France. Ça, c'est pour la partie A. Vous allez avoir un avis de la Banque de France. La B. Vous devriez définir en fait le détail de votre analyse de risque, comment vous avez identifié vos risques, comment vous les avez cotés, quelle est votre cotation, comment vous les avez minorés, c'est-à-dire comment vous avez mis en place des moyens techniques, humains, automatisés, intelligence artificielle ou autres pour les réduire et les entourer, et comment votre risque il est minoré. Bref, est-ce que vous êtes capable d'encadrer vos risques? Puis, dans la partie C, vous définirez le niveau de risque attendu. Et puis en D, vous définirez les moyens humains et organisationnels. Dans la cinquième partie, en fait, vous ferez le reporting et autorisation ultérieure. Par exemple, le reporting des établissements de paiement. Et en B, la notification et autorisation ultérieure. Voilà pour le dossier et pour rester en bref. Je vous invite à aller voir mes autres castes sur le COSO potentiellement et ces 17 grands principes. Si ça peut vous intéresser, il y a plus de détails. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis yep. À bientôt pour de prochaines aventures!